Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, ce sera le tuto sur les Cake Pops. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, vous allez prendre un cure-dent. Moi j'ai pris un pic à brochette que je réduis avec ma lame parce que je n'avais pas de cure-dent chez moi. Et donc voilà, je veux absolument quelque chose en bois, donc je vous conseille de prendre un cure-dent. Ou faites, si vous faites comme moi, demandez à vos parents. Donc ensuite, je vais prendre ces petits bâtons, donc je vais en faire 4 en tout, et je vais les peindre en blanc. Ensuite, j'ajoute de la peinture rouge pour créer une peinture rose, mais si vous avez de la peinture rose directement, ça fait très bien l'affaire. Et je vais donc créer une torsade tout autour de mon petit bâton de Cake Pops. Donc je crée une torsade tout simplement avec un petit pinceau fin en tournant tout doucement. Donc à chaque fois, il faut attendre que les couches de peinture sèchent. Ensuite, je vais prendre de la pâte Fimo. Donc j'ai pris du translucide, du marron et du noir pour créer mon Cake Pops. Donc ça me donne un marron très très foncé comme ceci que je vais couper en deux pour former deux petites boules. Ensuite, je vais prendre de la pâte chocolat tout simplement, donc qui est plus claire, et je vais enrouler ma boule plus foncée dans ma pâte plus claire pour créer une boule. Donc là j'enlève l'excédent de pâte et donc ensuite je vais bien la rouler entre mes doigts pour que ce soit bien homogène. Je vais maintenant créer ma pâte couleur pain gâteau que je fais d'habitude, donc avec du blanc translucide et ocre. Et je vais entourer celle-ci avec de la pâte polymère jaune. Je l'enroule bien dedans et j'enlève l'excédent. Donc on ferme bien les bords et ensuite on l'enroule bien dans ses paumes de main pour que ce soit bien homogène. Je fais la même chose avec plusieurs couleurs et je vais mettre mes petits Cake Pops 10 minutes au congélateur. Je vais faire ensuite des serpentins de toutes les couleurs que je vais mettre au four. Et donc une fois que mes Cake Pops ont bien durci au congélateur, je vais les couper et les texturer. Donc je les mets au congélateur vraiment pour qu'ils durcissent et que ce soit plus simple à texturer par la suite et que ça ne s'écrase pas entre la chaleur de mes doigts. Donc là je me sers de mon scalpel. Je vais donc ensuite enfoncer mon petit bâton de Cake Pops. Et donc je continue à texturer jusqu'à ce que ça me plaise et voilà ce que ça me donne. Donc ensuite j'ai pris une petite boule rose, je n'ai rien fait du tout, je ne l'ai pas coupée, celle-ci je l'ai laissée comme ça. Et donc je vous montre avec ma petite boule violette comment j'ai fait pour couper. Donc tout simplement avec le scalpel, étant donné que c'est plus dur, c'est beaucoup plus simple à couper. Je viens couper un morceau de mon Cake Pops. Et ensuite je recoupe plusieurs morceaux pour faire un effet comme si ça avait réellement été croqué. Puis je viens texturer l'intérieur de mon Cake Pops. Ensuite, je viens arracher des petits éclats de violet en fait sur les tours. Je mets ensuite tout ça 30 minutes au four à 110 degrés. Et ensuite, je vais m'occuper de mes petits serpentins que je vais couper en tout petits morceaux pour créer des petits vermicelles. Donc voilà ce que ça donne une fois mélangé. Et j'en ai créé d'autres séparément qui correspondent aux trois autres couleurs de mes Cake Pops. Je vais donc ensuite venir prendre mon vernis Cernit en mat. Mais avant ça, je vais donc légèrement rayer tout le tour des Cake Pops que j'ai ouvert pour vraiment avoir cet effet de chocolat qui a craqué. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon vernis mat et je viens en mettre une bonne couche, mais vraiment une bonne couche, sur mes Cake Pops et je viens ensuite coller mes petits vermicelles. Donc là j'ai choisi les vermicelles colorés pour le Cake Pops noir et pour les autres j'ai choisi les vermicelles en fait de la même couleur que le Cake Pops à chaque fois. Et
Et voilà, c'est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous-même. Je vous fais de gros bisous.